Le procès de 17 personnes jugées pour harcèlement aggravé en ligne contre le chanteur Edith Préteau s'est ouvert au tribunal correctionnel de Paris. Les prévenus, âgés de 20 à 26 ans, ont été interpellés un peu partout en France. Les faits remontent à juin 2021. Le chanteur est invité au festival Qui va piano va sano à l'église Saint-Eustache à Paris, dans lequel il interprète son morceau À quoi bon, qui évoque ses difficultés à concilier homosexualité et religion. La dernière fois, on était comme, je sais plus très bien, peut-être 18. Il y avait même des sodomites, je me souviens plus, j'allais en L'artiste poste sa prestation le lendemain sur ses réseaux sociaux et reçoit une vague de haine. Près de 3000 messages d'insultes et de menaces de mort sont envoyés, ce qui le pousse à porter plainte. Les harceleurs sont, pour la plupart d'entre eux, des hommes et inconnus de la justice. Les prévenus sont jugés pour harcèlement en ligne ainsi que pour harcèlement commis en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Le procès doit durer jusqu'au 7 octobre.